Du coup, bonjour, bonsoir à la rediffusion, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII Remake. Pour une partie qui va être full secondaire, hein, clairement, et qui va pas durer un épisode, je pense, hein, au moins deux, il y a moyen. Et du coup, on se rapproche, effectivement, de la fin du jeu. Bon, on n'est pas à la toute fin non plus. Mais on n'est pas loin, quoi. La tour de Shinra, je crois que c'est la dernière zone. Je crois, je ne suis pas saoul. De toute façon, on n'y est pas encore. Là, on va faire beaucoup de secondaires, comme dit précédemment. J'aimerais bien déjà aller checker là, mais je vais plutôt remonter en vrai. Ouais, on va d'abord remonter. Et puis, on avisera. De toute façon, on fait toutes les quêtes secondaires. Je vous le dis tout doucement. Et ah non, attendez. Non, je vais faire une quête avant toute chose, si c'est possible. Est-ce que c'est ça? C'est ça, je veux faire cette quête-là en priorité pour avoir la clé pour ouvrir les fameux portails qu'on ne peut pas ouvrir depuis le début du jeu. Qui me saoule, que je veux. Ces bidons jaunes me font bizarre à chaque fois, c'est un truc de ouf. Il y en a que ici, je crois. Qui nous bloque là, enfin avec des matériaux qui ont l'air cool, tout ça. Donc j'aimerais bien faire cette quête parce que c'est peut-être ça qui va nous permettre de déverrouiller ces portes-là, mais je ne suis pas sûr. Ah, j'ai fait le mille pas, c'est vrai que j'avais ce truc. Vas-y, go voir ce que c'est ce caca là. Qu'est-ce qui se passe? Dangereux madame ou monsieur? Ah, c'est toi? Ah, Cloud! Ça doit être un des gamins perdus. C'est quoi cette façon de parler? Merde, j'ai perdu le micro, pardon. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques ici? T'es tout seul? C'est compliqué. À l'origine, mes camarades et moi, on était venus pour redresser les tombes qui s'étaient affaissées. On faisait ça quand il y a eu un drôle de rire. Et quand j'ai regardé autour de moi, les autres avaient disparu. C'est ça! C'est le rire que j'ai entendu à ce moment-là! Attention! Au fil, je fais du secondaire, mais ça peut-être être important, je suis pas sûr. Mais il y a peut-être moyen qu'il y ait des trucs importants à le garder. Mais vas-y, si tu veux faire tes roulettes, fais-les maintenant. Pouf. Qu'est-ce qui est efficace contre je sais plus? Bah, les soins, forcément. Vas-y, on va soigner. Oh, ouais, calmez-vous là. Faites pas les fous. J'en ai marre qu'il se barre à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se soigner là? J'ai pas tout compris. J'arrive pas à savoir si je le touche en fait. Envole-toi! Il va one-shot, ok. Je te rappelle qu'on a besoin de toi. Oui. Hop, vie. Cloud. C'est l'heure de la riposte. C'est l'heure de la riposte. Non mais... Je sais que ça te dérange. Je me trompe de touche tout le temps, j'en ai mal. Non, tac. 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 Barrette. Ils font mal, hein. Fini de jouer. Ils font très mal. Non mais oh, arrêtez de cancel et de consommer ma barre de mana, j'en ai marre. Hop. Mais on va là, toi. Il est quasi en critique lui. Allez, choc. Double choc. Transcendance. Et boum! Ah, elle fait mal la transe de Cloud. Je
crois que je suis pas loin de stack, voire même j'ai déjà stacké. Bah non, enfin on est mardi. Ah non, on est lundi. Oh, il y a Cloud aussi. Non, mais tu dois pas être loin du coup. Vous aviez bien choisi votre moment pour jouer ici. En fait, il y a beaucoup d'enfants à la maison feuillue dont les parents sont enterrés ici. C'est pour ça qu'on a voulu voir l'état des tombes. Je vois. En tout cas, merci. Une fois de plus, tu nous as rendu un grand service. Bon, il est temps de rentrer à l'orphelinat. Mademoiselle Folia doit être très inquiète. Ah, Cloud, tiens, j'ai ramassé ça tout à l'heure. J'espère que ça te servira à quelque chose. Quelle bande de petits effrontés. Mais bienveillants. Oh, quelle est cette patate? Ça ne me dit rien du tout. C'est pour ça que ça m'intrigue. Chronomancie. Ah! Bah, c'est bien, mais je pensais un truc un peu dark, tu vois. Bah, dès que j'ai fini ça, je le mets. Hein, à la place. Parce que oui, ça peut être bien quand même. Hein. Clairement, Hatt, ça peut être très très fort. Comme booster qu'il y avait dans FF10. C'était un sort limite indispensable dans le jeu. Je regarde juste si je peux pas dégager un truc, mais non, je préfère garder. Ah non, je veux faire mon truc de pas en plus. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Bon, au moins, on n'a pas eu à chercher les gosses sur toute la terre. Hein. Ils étaient tous au même endroit. Comme ça, on est tranquille. Ça va peut-être pas être si long que ça, finalement. Mais j'y crois moyen. À mon avis, on en a pour au moins 2 épisodes. Je pense. À voir. Mais il y a moyen. Du coup, faut que je retourne la voir ou pas, d'ailleurs? Non, pas besoin. Hein. Pas besoin, pas besoin. D'ailleurs, médicament secret, on a déjà la première partie. Là-bas, il y a un petit chocobo. Voilà. Coué, coué. Merde. Ne pas les effrayer, surtout. Hein. Ah. Bonjour. On va l'analyser lui, hein. Merde. Compétences, analyser, oui bien tigré. Alors, les variants des dix machins sont de petites créatures volantes et des très curieuses, endémiques des bidonvilles. Elles ont la particularité de pouvoir utiliser la magie et de collectionner les objets brillants tels que les bijoux. Ils absorbent tous les sorts de magie lorsqu'ils sont enveloppés par les ténèbres, cependant leur infliger un certain nombre de dégâts pendant qu'ils lancent gravité permettent de dissiper cet effet, augmenter momentanément les chances de leur faire de subir l'état de choc. Il n'a pas vraiment de faiblesse. Je déteste quand les monstres volent. Merde, ils ont activé gravité encore. Faut que je le tue là, non? C'est pas ça l'histoire? Ça va, ça va. Il passe en mode ultra instinct là. Oh putain! J'avais pas vu ma vie! Oh! What the fuck? What the fuck, les dégâts que j'ai pris! Mais c'est abusé! J'ai pas vu! T'as fait mal, gravité, hein! C'est cadeau! Hop, soin. M'arrête. Ça rigole, zéro, hein! Reste là, reste là. Aïe. Boum. C'est fini. C'est fini. Ok. C'était un sacré monstre quand même. Hein. Ils nous font très mal dans ce chapitre. Hein. Eh tiens, ton légume de... Glissa. Quoi ?
Dans le service, hein, désormais disponible au centre suivant. Ah ok. Monter uniquement, vous avez vu. Ça c'est fait. Une bonne chose de faite. On a eu un truc. Je sais plus ce que c'est. Le matériel, je crois, non? Je sais plus. Merde, on a eu un truc, non? Je sais plus. Il y en a c'est plus. Et bah c'est pas grave. Avançons. Attends. Oui, c'est avançons. Bon, ça, je peux toujours pas l'ouvrir, on est d'accord. On est d'accord. Pardon, j'ai re-regardé la partie FF7 classique qu'on vient d'avoir. J'ai pas... Enfin, je crois que... Je crois bien que monsieur est mort, là. Merde, comment il s'appelle? Merde, celui qui est gentil avec tout le monde, là. Werner, non putain, je... celle qui est dans la maison d'Iris là, qui est dans le mal, qu'on a retrouvé en bas là. Et ben lui il est mort. Wedge, putain, je vais le retrouver. Je crois qu'il est bien mort, et par contre c'est tellement moins épique le coup de la tour. Ça a bien changé, hein. Je vous le dis, ça a bien changé. Hop hop hop, allez on grimpe ça. Pichour, pichour. Oh, qui es-tu? Ah. Mais c'est notre mercenaire. Tu m'amènes tes amis aujourd'hui? Moi, c'est Mireille. Cloud et moi. Disons que... Oula, c'est très bizarre. On a vécu quelques moments intenses. Qu'est-ce que vous faites là? La même chose que toi, mon petit. T'es là pour les trésors de Corneo, je me trompe? Mais comment vous savez ça? Il n'y a rien que j'adore plus qu'une rumeur bien juteuse, vous savez. Aujourd'hui, je suis venu en vérifier une en personne. Malheureusement, les trésors de la rumeur ne sont pas là. Si l'ange gardien a mis la main dessus en premier, le butin est sûrement déjà loin. Ça, c'est à craindre. Mais vous savez quoi? J'ai eu vent d'une autre rumeur. Dites-moi, les jeunes, j'ai une question. Imaginons une seconde que vous mettiez la main sur ces fameux trésors. Vous en feriez quoi? C'est simple. Les gens du bidonville doivent reconstruire leur vie. Et ils manquent de tout à l'heure actuelle. Vendre ces trésors permettrait de leur fournir des objets de première nécessité. Tiens. Eh bien, il paraît que c'est bidon, cette rumeur selon laquelle l'ange gardien a volé la clé des trésors. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Kyrie. Elle a beau être jeune, elle est toujours au courant de tout, cette petite. Oh, vous la reconnaîtrez facilement. Elle porte des bas et une casquette un peu trop grande pour elle. Non, pas elle. Où est-ce qu'elle est? Ça, allez savoir. C'est une sacrée besogne que de suivre la piste d'une petite jeune. On se comprend. Pas elle. Note sur les caches de Corneo. Oh. Attends. Tac. Inventaire, objet clé. Mercenaire. Voici l'endroit où sont cachés les trésors de Corneo. Bidonville, secteur 5, montagne d'acier. Égout, ancienne section d'assainissement. Route effondrée, tunnel effondré. À toi de bien chercher, bonne chance. L'ange gardien. Ok. Enfin, on a des trucs intéressants ici. Pour le coup. Faut penser à lire ces trucs-là. Sinon, bah, on aurait été un petit peu emmerdé, je pense, si j'avais pas tilté qu'il fallait faire ça. Comme pour la liste du médecin, là, j'aurais pas vu. Ça aurait été long. Ça aurait été très long. Pente. Pourquoi je peux lui reparler? C'est parce que si je lui reparle. Que se passe-t-il? Oh bonjour, je suis de retour. C'est facile. La petite Kyrie porte toujours des bas et une grosse casquette. D'accord, bon, faut juste aller la voir, quoi. Je vais juste aller voir. Et qu'il y a combien d'étapes sur cette quête? Bon, celle-là est validée, du coup. Ok, il y a pas mal d'étapes, quand même. Et c'est cette quête-là que je veux faire en prio. Je veux débloquer ces trucs spéciaux. Et d'ailleurs, aussi... Attends, je vais descendre de là. Est-ce que Barrette t'a appris ton truc? Toujours pas. Pichou, pichou. Ça fait pas de quartier. Il est trop tard pour les regrets. Est-ce que j'ai foudre? Je
pas foudre. Il s'en fout. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Boum. Ok. C'était bien joué. Ouais. Allez, on y va. Montre-moi la carte. Ah, on est d'accord. Ok, bon, j'ai bien fait de partir sur cette carte-là. Ok, au moins, on est sûr que c'est ça. Et c'est une bonne nouvelle. Du coup, attends, faut que j'aille tout là-bas, là. Ah non, c'est les chocobons en fuite. C'est les chocobons en fuite. On va retourner ici. Je peux... Non, je peux pas. Faut que j'aille parler un truc pour pouvoir faire ça. Pas de soucis. Bah, il y en a un juste là. Merde, il est où? Merde. Ah, il y a. Oui, c'est là. Je suis perdu, moi. Je suis perdu sur cette carte. Allez, en route! En route! Yeah! Ah, on va se taper des chargements chiants. Mon vent de gargouille. Non, oh, je viens de manger. C'est terrible. Amélioration automatique des armes. Si vous appuyez sur triangle après avoir sélectionné une arme dans le menu amélioration des armes, vous pouvez alors vous... Alors automatique. Oh, c'est bien ça! On va peut-être faire ça. À chaque fois, je prends au pif, mais ça se trouve, c'est pas bien ce que je prends. A voir. A voir, à voir, à voir. Je découvre ça à la fin du jeu. Enfin, à la fin du jeu. Plus vers la fin que le début, vous voyez. Ok, je suis full vie partout, c'est parfait. Donc, la petite Kyrie, normalement, elle était là. Donc, forcément, elle est plus là. Une fois repéré la voleuse, Claude a remonté Mireille, qui lui a permis d'apprendre qui a volé la clé. On a encore de trouver Kyrie et obtenir plus d'informations. Alors maintenant, il faut la retrouver, la petite. Alors, à mon avis, elle est plus là. Bah, du coup, bah, j'aurais peut-être pas dû revenir là, en fait. Les médicaments, ok. Bah, on va aller choper le chocobo qui est tout là-bas. Je crois qu'il y en a. Ah, quoique, attends. Ah, peut-être pas en fait. Ils sont affichés sur la carte. Oh, oh, trop de trucs à faire. Il y a trop de trucs à faire. Bon, dans tous les cas, on va retourner dans les. J'aurais peut-être dû me TP. Hein. On va retourner dans les sous-sols. Pour aller affronter le Behemoth. Il y a peut-être une cache aussi de Don Corneo. Le trésor pour ouvrir les caches de Don Corneo. Donc on va aller. On va retourner. J'aurais dû me TP. On va aller dans les grottes. Donc comment on y va déjà? Ah oui, faut retourner au secteur 7. On va se TP, hein, vous m'en voulez pas. Ah. Ouais. Ouais, c'est pas très intéressant pour le coup, là. Attends, une fois que je suis là-bas, je vais où? Totalement perdu. Attends, vas-y, on va aller ici. On va bien voir. Je suis totalement perdu. Il faudra qu'on s'y en fasse. Oh putain, il y a tellement de trucs à faire en fait. Il faut aussi qu'on fasse des combats dans l'arène. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais on peut en faire. Bon, je vais au moins finir toutes les quêtes. Ce sera déjà bien. Ok, une fois que je suis ici. Ah, mais il y a une quête ici. Ah, mais c'est à la recherche de Chocobo en fuite. Chocobo est revenu. Je vous suis reconnaissant de vous en être occupé. Maintenant, je compte sur vous pour les deux qui restent. Il y en a qui disent qu'ils ont aperçu un chocobo,
Oui, bon, je sais où ils sont. Aurait été vu dans la direction. Voilà. C'est un peu... Ça doit être nos chocobos. Ah bon, ça, je savais tout ça. Du coup, nous, on va plus descendre, on est d'accord? On va plus là-bas. Oui. On revient sur nos pas, là. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je me situe. C'est compliqué, on n'est plus de nuit, ça y est, je suis perdu. Ça doit être ça. On n'est plus de nuit, du coup, bah je sais plus où et quoi. On n'est pas mieux qu'à l'eau de chocobo. Et de là, on prend la cachette secrète. Enfin, on passe par la cachette secrète. Ah, tu as besoin d'aide ? Oh, la guigne. Tiens, Barrett. Weimar, tu vas bien ? Pas trop mal. Actuellement, les miliciens se partagent la tâche de secourir les blessés du secteur. J'aimerais bien les aider, moi aussi. Mais je dois régler un autre problème avant ça. Je parle de la fameuse rumeur. Eh bien, elle était fondée. Il y a effectivement des créatures qui sortent du site d'expérimentation souterrain de la Shinra. Cloud, je vais encore avoir besoin de toi. Tu voudrais bien me donner un coup de main? Il faudrait que tu descendes dans le site et que t'élimines les créatures qui s'y trouvent. C'est risqué, je sais bien. Mais je suis ton seul atout. En effet. À toi de jouer. À toi de jouer. Y a pas de souci. Si j'avais su qu'il y avait un site d'expérimentation ici sous nos pieds. Je regarde juste s'il y a pas une autre quête ici. Ah toi. Alors, c'est déjà beaucoup mieux, pas vrai? 2000 pas, ouhou. J'aimerais bien qu'on retrouve nos potes, quoi. Ce serait cool. Allez, allons-y. Oh, j'aimerais tellement les revoir, non mais sans déconner. Avant, je peux plus faire mon score aux fléchettes du coup. Je viens de capter. Quête mercenaire. Professeur Ojo. Cet enfoiré. Pardon. Restons polis. Merde, j'ai pas lu. Oh, il y a écrit quoi? Lorsque vous aventurez sous terre, vous faites une quête. Pour faire une quête ou trouver un trésor, vous pouvez à tout moment retourner quelque part à la surface en maintenant la touche L1 appuyée. D'accord. J'ai juste mis en pause mon stream et je l'ai. Et je l'ai mis en pause. Alors, du coup, comment ça se passe maintenant? Va falloir que je ressorte, non? Je pense qu'il faut ressortir. Comme pas, bah, on retourne de toute façon dans la. Dans le 7ème, dans le secteur 7, je suppose. Ah non, il y a un chemin ici. Ok, qu'est-ce que tu me dis? On t'entend pas. On t'entend pas. Et c'est parti. Ok. Ah mais là c'est pas une nouvelle zone ça. On arrive au même endroit. Alors attendez. On va faire un petit somme. Je sais plus si on s'est tapé entre temps. Mais dans le doute. Voilà. Ça prend 2 secondes. Et on va aller voir le behemoth. Le famoso behemoth que je veux affronter depuis 100 ans là. Alors. Bonjour. Ok. Bon, il y a des mobs, hein, ça me paraît logique. Tout est normal. Là, je peux toujours pas sauter. Bon, la quétale. Ah, le stun, le stun. Le stun, c'est insupportable. C'est le bordel. Ah, c'est quoi ça? C'est un gros chien. C'est un glou toutou. Analyse. On sait jamais. Un glou toutou, version expérimentale des chiens de garde obtenus alors injectant diverses substances visant à augmenter leur masse musculaire, mais dont les effets secondaires lui ont rendu complètement fou. La plupart de ces molosses ont de ce fait été euthanasiés, mais certains se sont échappés. En temps normal, ils ne peuvent pas être interrompus, quelle que soit la commande ATB. Cependant,
Certaines attaques peuvent augmenter leur rage, ce qui leur rend susceptible de se faire interrompre. D'accord. Effectivement, il est un peu plus fat. Hein. Par contre, le BMOT, il va nous exploser la tronche, en fait. Ça pue, hein, un peu. Ah, merci l'hébergement, Orga et Mef. Ah, mais je te connais. Enfin, je vous connais. Vous êtes déjà passé. Eh ben, merci beaucoup. Ça n'apparaît pas sur l'écran parce que, encore une fois, je suis sur FF. Enfin, je suis sur un gros jeu, voilà, quoi, et je veux pas que l'écran soit plus long par autre chose que le jeu. Ok, il est mort. J'ai la transe de Tifa. Hop. Adieu. Oui, c'est à double poivre, Coco. Ah. Non, mais c'est une blague. J'ai oublié ce détail. Vous avez vu, elle s'est rechargée vite, la manette. Il est chargé de manette. Il tank, hein. Il tank. Fini de jouer. On va te libérer. Mauvais côté. J'en ai marre de rater mes attaques. Choc. Yeah. Ok. Tu te débrouilles vraiment bien. Ah ouais, pas évident celui-là. Ça t'embouche un coin, hein, Cloud? Pas évident. Hein. Je serais bien allé endormir un coup là. On a appelé un peu cher. Pas cher. Oh non, pas lui. Ils reviennent à la vie, les robots. Tu veux que je fasse quoi, moi? Dans ces conditions. Ok, Barrett. Moi. Hop, un petit soin sur Tifa. Il est fragile. Ouh. Allez, choc. Non mais genre... Mais il passe en choc et je veux que j'explose de partout. Il est pas mort, il est mort. Ok, c'est bon. Oh non, pas eux. Eux, ils se tankent entre eux. Oh là là, l'enfer. C'est bon, je fais quand même mal. Je fais quand même mal. Ah, oh, matériel soin a évolué, ouais. C'est celle de Tifa. Ou de Barret. On se joue vert, mais what the fuck? C'est jamais arrivé sur cette play. Bienvenue à vous, les gens. Ok. Un petit soin. Retourne à la surface, ok, j'ai vu. Un petit soin pour moi. Et on est reparti. Je viens de là, on va là-bas. Je peux en faire avec ça. Non, je sais pas. Ah si, c'est bon, je sais où ça va péter. Coucou. On va retourner à l'endroit où bah, il y avait la BMOD derrière sa porte, là, machin, et ça va probablement être ça. Hop, toi tu dégages. Peut-être mettre la foudre un jour sur l'épée de Cloud. Ça pourrait être sympa. Trop facile. Pouf. Hop les. Alors. Ok, on arrive au ventilo. Je recache juste les caisses. Hein. Je ne crache pas sur quelques petits items par-ci par-là. Même si ça m'en donne pas, apparemment. Je ne crache pas dessus. Ah bah ça me donne que là. Ok, je crois qu'il n'y a pas besoin de les recasser, ils te redonnent rien. C'est cool. Bon bah celles qui sont à gauche, on va pas les chercher. Tant pis pour l'aile.
Ah, par contre, ici, il faut qu'on fasse deux trucs. Choper. Alors, attends. Non, c'est pas ici. C'est dans inventaire. Objet clé. Il faut qu'on chope la corne de Behemoth. Par contre, la fleur médicinale, je sais pas trop comment on va faire. Parce que, bah, Iris est emprisonné, hein. Je vais peut-être aller checker la maison, je sais pas. Il y a le Behemoth à tuer et... faut aller... Ah non, c'est égout. On n'est pas dans les égouts, là. Ah non, mais c'est... Voici les endroits où sont cachés les trésors de Cornéo. Mais si, mais... Oh putain. C'est... Non, bref, faudra finir la quête parce que ça, c'est là où il y a les caches. C'est pas là où il y a les trucs pour... Ok. Bah ça, je savais déjà où c'était. Bon, bah tant pis. Du coup, bah juste le Behemoth à faire ici. J'aurais peut-être pas dû y aller tout de suite, du coup. Guillemot se fait avoir, là. Si on doit y retourner, j'ai un peu le... Non, ok. Là-haut, bah, je vais checker, mais normalement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et là, on va arriver au niveau du Behemoth, je crois. Qui va être sur notre gauche. Pas du tout. Oh, toutes ces caisses que j'ai ratées tout à l'heure. Barrette, tu veux pas tirer dessus? Non? Ok. Mais forcément, il n'y a plus de monstre pour que je puisse changer de perso. J'adore. J'adore me faire cuc. Ça, on peut pas les ouvrir. Oh là! On les explose. On les explose! Je tape dans le vent, je tape dans le vent! Qui a fait 5000 de dégâts là? Ou alors c'était un 5 et un 100? L'abus. Attends là. Ah bah attends, mais on est pas allé voir là-bas. Ah si, c'est bon. Ah si, c'est le coffre, on a dû faire un aller-retour. On se souvient de ce coffre. Hop, on descend. J'aimerais bien qu'il y ait une zone safe par contre. Ça pourrait être sympa. Pour que je puisse me régénérer avant le combat. C'est ici. Ok. Est-ce qu'il y avait une zone safe? J'ai pas l'impression. Elle va nous emmerder, je le sens. De toute façon, je peux plus descendre. Comme ça, c'est réglé. Allez, c'est parti! J'avais dit quoi? Il y a le truc qui est en train de bugger sur la porte. Il est au bout de sa vie. J'avais dit quoi? Qu'il allait avoir quoi ici? Coucou! Il va nous exploser! Il y a une fire en plus. Le feu, c'est pas une bonne idée à mon avis. J'aurais dû me soigner. Ok, je suis mort. Il va nous éclater. C'est pas un truc qu'il faudra faire maintenant, je suis sûr. Allez, à toi. Je m'en occupe. J'arrive. Merde, laisse touche. C'est pas un truc à faire maintenant, je le sens. Mais Théma, il me met 500 de dégâts juste parce que je lui ai rentré dedans. Ok, analyse, analyse. Je peux... Behemoth type 0. Ok, 40 000 PV. Hein. Ce variant de Behemoth est un sujet d'expérience gardé dans un laboratoire de la Shinra. Un seul de ses rugissements suffit à faire trembler n'importe quelle créature vivante. Casser ses pattes avant ou arrière fait effondrer la partie du corps correspondante, puis casser une partie supplémentaire... Lorsqu'il est au sol, permet de se le faire entrer en état de choc. Ok. Clairement, va falloir faire ça. On peut lui voler un truc par contre. Bague magique, je veux ça. Lorsque ses deux cornes sont intactes, il les utilise pour
contrer les attaques magiques, mieux vaut briser ses cornes avant de lui lancer des sorts. Ok. Du coup, faut lui voler la bague magique. Bouge pas. Bah, peu importe. Viens voler. Je sens que je vais galérer. Pourquoi je sens que je vais galérer? Ah, remercier le nouvel hébergement. Tiens bon, j'ai la bague magique. J'ai la bague magique. Ouf. Ok. Esquive. Ok, un petit heal. Ça ne mange pas de pain. Ah, de me suivre. Ah, j'ai fait 3000 ça sur 3000. J'ai fait 3000 pas sur 5000. Compétent. Non, sort. Soin, extra soin. Cloud. En vrai, ça va être faisable. Il donne que 200 d'XP à mon avis, c'est faisable. Laisse ma waifu! Je vais passer en mode horrible. Je vais l'empêcher de jouer. Si je le touche. C'est chiant. Ah d'accord. C'est chiant ça. Il est à terre, il est à terre, il est à terre. What the fuck? Mais c'est une blague! Alors ça par contre. C'est insupportable. Il fait des trucs bizarres hein, avec son corps. Objet. On va finir roulette. Bon voilà. Tifa. Il barrette. Je vais me faire un petit heal là, s'il te plaît. Un méga soin me va. What the fuck, mais n'importe quoi. Mais Tifa, fais ta LB là, fais ta LB. Enfin ta LB, là. Avant du corps. Et Cloud, faut que tu sois une barrette. Allez, ça dégage. Ça dégage. Merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Nice. Plus de MP. J'ai ma LB, j'ai ma LB. Enfin ma LB. Ma transcendance. Mais genre il est esquivé. Sort. Soin. On va faire un extra soin. Sur moi-même. Un petit item, objet, éther, cloud. Tac, objet, éther, barrette. Ça pue, faut pas que je reste cac. Non mais non mais... J'en ai marre. J'en ai marre de faire de la merde.
Aligne-toi. Ok. Sors. Extra soin. Marite. À toi de jouer. Il s'éclate là, il fait sa vie. Faut pas trop l'approcher. Non, j'ai toujours pas cassé ses cornes. Donc je pense que c'est clairement un truc à casser. Enfin, je sais que c'est immunisé donc. Je sais pas trop comment ça marche. T'as vu, c'est quand ils sont immunisés? Oh! Te précipite pas. On va s'éloigner par contre. Objet. Éther. Cloud. Ça va. Ok, choc. Tifa. Toi ta trans, j'aurais pas dû faire ça. J'ai grillé, j'ai fait la merde. J'ai fait de la grosse merde. Il serait mort si j'avais pas fait le coup. Ok, Tifa sa transe. Enfin, sa LB quoi. Enfin, son... Oui, sa transe. Je sais plus moi. Je sais plus comment s'appelle les trucs. Extra soin. Sur toi. Et boum. Je vais garder la transcendance de Tifa. Non, j'ai fait la merde. Il passe en mode ultra instinct. On va se faire exploser, faut se barrer. J'aurais dû faire gaffe. Ça va de ton côté. Je suis prêt. C'est une blague. Mais non. Oh, il est pas évident ce combat non plus, putain. Tu te sens mieux? Garde ton sang froid. On va y arriver. Vas-y, méga soin. Ok. Trop tard pour les regrets. Tiens. Allez, Tifa, tu l'achèves. Putain. Insupportable. Ah, météor. C'est l'idée. Ok, il est bon. Eh bah putain! Parfait, le problème est réglé. Sacré bazar, hein! Sacré bazar! On va checker un peu autour, mais je crois qu'il y a rien. Et puis il y avait que ça à faire, mon avis. Il y avait que ça à faire, il faudra juste.
Enfin non, il y a même pas de cache ici, j'en ai. Ok, ok. Bon bah, on s'en va. Hein. On s'en va. Du coup, ça c'est fait. Faut qu'on retourne au quartier des plaisirs, déjà choper les deux coffres qu'on n'a pas eu. L'endroit sur lequel Don Corneo a la main mise. Ceux qui sortent vainqueurs connaissent... J'ai pas le temps de lire. C'est où ? Connaissent la gloire et la richesse, mais ils sont extrêmement rares. Je connais ni la gloire ni la richesse. Et j'ai gagné pourtant. Si, la gloire, si. La richesse, pas trop. J'ai tout donné pour une tenue pour Alice. Bon. Coucou. J'imagine que vous avez réussi à éliminer tous les monstres du site. Bien joué. Y'a pas de quoi. Grâce à vous, maintenant, on a les coudées franches pour continuer notre besogne. J'imagine que ça doit pas être facile. Faites au mieux. Non, c'est bon. T'inquiète pas. Au fait, c'est pas grand-chose, mais ça peut toujours servir. Les gars, vous me donnez trop d'armes, là. Vous me donnez trop d'armes. Oh, j'ai oublié de le voler. Non, si, c'est bon, je l'ai volé. Oh, j'ai eu peur. C'était... Je sais plus ce que c'était. Ceinture de champion. Bon, ça, on avait déjà une. Mais on va enfiler à quelqu'un d'autre. Merde ! Les dégâts subis parce que vous ne contrôlez pas le personnage. Peut-être chat, bague magique. C'est bon, hein, que c'était ça. Je crois que c'était ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vais filer juste un truc. Bon, toi, t'as appris ça. Ça, c'est quoi? Ça a l'air sympa. Mais niveau stats, c'est très fort. Ça a l'air d'être très fort. Ah, il manque... Oh, mais j'ai trois armes avec... Avec barrette, au secours. J'ai trois armes avec barrette. Toi, t'as ça. Et Tifa, t'as quoi? Ouais, bah, c'est toi qui bénéficiera de la ceinture de champion. Hein. Ah, j'ai un nouveau gant aussi. Ah oui, mais c'était... Ouais, c'était pas... Ça avait pas l'air foufou. Hein. Enfin bon. Hop. Du coup. On va améliorer tout ça. Cloud, vite fait, ça sera fait. On a combien de temps? 47 minutes, d'accord. On a rien foutu. On a rien foutu. On va prendre ça. Bah, et ça sera tout. Ok, tac. Il y a aussi une arme avec les trucs mog là qu'il faut que je récupère pour Barrette. Ça a l'air d'être sympa quand même. Ah, c'est 10 et 12 par contre. Du matériel, je ne dis pas non. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Bah, c'est tout. Et là. On va prendre ça. Ça. Et un autre, ça va être. Douleur restaure vos PM lorsque le personnage subit d'importants dégâts. Ah, c'est bien ça, je vais prendre ça. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. On va faire ça, on va lui filer notre matériel. Je sais pas ce qu'on va lui filer par contre. Tac, barrette. T'as quoi? Foudre, soin, résurrection. Putain, j'ai donné résurrection à barrette, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je peux lui filer? Je vais filer glace. Allez, ouf. Hop, et ensuite Tifa. Tac. Tac. Qu'as-tu de beau? Emplacement de matériel. Ok. Bon, c'est full magie, hein, ce truc-là.
C'est pas forcément fou. On va prendre ça. Permet de dégager des compétences spéciales en début de combat avec certaines petites probabilités. Vas-y, de toute façon, ce truc-là, je pense pas que je vais le garder longtemps. Je suis pas trop fan de ces gants. Full magie, là. Je suis vraiment pas fan. Ah non, physique. Moi, j'ai mal lu. J'ai rien dit. Ah oui, non, si, il y a deux magies, quand même. Ouais, c'est pas foufou, hein. Tifa, je fais pas forcément beaucoup de magie. Je fais les sorts de soins, bien sûr, mais... Pas fan. Pas fan de ces gants. Niveau stats, pareil. Ouais, je préfère cela. Enfin bon, il nous faut la compétence, donc je le prends. Il n'y a pas de problème. Du coup, soin, vent, tac. Je vais te remettre vol. Parce que le vol, c'est important. Voilà. Avant, je peux lier. Attends, ah oui, je peux lier, là. Ouais, mais non. Ok, ça c'est fait, on va dormir. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on est déjà à 50 minutes. Même en secondaire, le temps passe vite sur ce jeu, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Chat system bien sur. Je suis fatigué moi. Bon allez gens, on s'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis dans quelques heures ou à demain pour la suite et à la prochaine. Bye bye.